Allez, ils sont deux. Ils sont deux. Non, il n'y a pas besoin de taper pour. Non, mais c'était ça la blague, non? Ouais, c'était ça la blague. C'est que du coup, on a des marchés différents, .be.fr, mais non. Chez nous, c'est tout pareil. En Suisse aussi. Très bonne nouvelle pour Louis, qui voit un baby board. Le risque est proche de zéro. Que va-t-il faire? Ils font gagner un club Badawan par heure, il l'a bien dit. Alors, est-ce que ces deux overs peuvent lui donner envie de continuer à payer pour essayer d'aller toucher quelque chose à la turn? Commence à y avoir des sous au milieu là, hein. 7900 euros. Dernier appel, Kelly, pour la 2/4. Kelly, c'est moi. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est 3 bêtes. Oh, c'est 3 bêtes. Oh, il lui met la pression. Ah, fait moins 4 bêtes là-dessus. 13 900 dans ce pot, je crois qu'on est sur le plus gros pot de la soirée. Voilà, tout au milieu. Tout au milieu, Olin. Il y a une tonne, il y a une tonne, il y a une tonne, 27 000. Ouh là 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 là. Et c'est fini, il ne peut plus payer maintenant. Vous avez en haut les outs qui s'affichent. Voilà, ouais, il ne peut plus payer, il va folder. Il a 24% de remporter ce con, plus il y a un as de brûlé. Ah, c'est fini. On n'est jamais commit. On peut toujours se coucher, surtout quand il reste des jetons. C'était bien joué. Franchement, c'était bien joué de Christophe de mettre la pression à Louis. Moi, je trouve que c'est couillu. Voilà, il va folder. Il va folder. Oh, pouah, regardez-moi ce pot. Un bénef. Un bénef de 9400. 10K. 10 000 euros qui vont directement dans l'escarfouille de Louis. Regardez, ces piles de jetons. Ces pilasses de 500. Ah, franchement, c'est beau. Très beau coup. Très joli coup. Hein. C'est du très grand poker. Félicitations, je trouve. Je tiens vraiment à féliciter Christophe qui a vraiment pas froid aux yeux. Hein.